C'est parti les creuses. Ah c'est beau, putain je kiffe. Alors je dois d'abord, merde j'ai pas. L'objectif a été mis à jour, maintenir tab. Ramasser les affaires à l'arrière de la voiture. Ok, faut que je prenne les affaires à l'arrière. Putain c'est joli, c'est fluide. Alors. Ok. Ah on emménage. C'est ça. On a un nouvel appart je crois. Ok on emménage ici. Il y a des converses sur le fil. Très bien. Ça me va. Le voisinage a l'air sympathique déjà. On est très bien accueillis. Je peux pas courir. Hein. Je peux pas sauter. Ah, je peux m'accroupir. Ok. Bah écoutez, let's go. C'est pas trop sombre, ça va? Je peux augmenter la luminosité hein, si c'est trop sombre les creuses. Let's go. Oh là là, l'ambiance c'est terrible. Par contre, attends, je suis à quel étage moi? Je sais pas à quel étage je suis. Oh, on peut sonner aux portes de nos voisins, c'est cool. C'est assez sombre. Attendez, est-ce que je peux un peu augmenter la luminosité? Pour l'instant, c'est sombre. J'imagine qu'on aura une lampe torche après. Oula, c'est quoi ce bruit? Il y a un voisin qui fait des trucs bizarres. Oh! Oh, c'est le meilleur jeu d'horreur du monde. On a trouvé le meilleur jeu d'horreur du monde. Oh! Oh, on dirait mon chat. On dirait Pixel. Oh. Lettre de bienvenue. Il semble que le locataire ait laissé une lettre pour moi. Ah bah attends, on va la lire. Alors. Bonjour ma chère, je savais que vous alliez vous perdre. Votre chambre est située au 5e étage. J'ai laissé la porte ouverte pour vous. Ah, bah au moins on sait maintenant où est notre nouvel appartement. Merci très cher. Donc le 5e étage. Let's go. Il est mignon le chat, vous avez vu? Magnifique les graphismes. Ce serait tellement glauque de voir quelqu'un dehors là, nous regarder. Il y a notre voiture qui est là-bas. Quatrième. Ah. Quelqu'un passe un balai, le coup de balai. Bon, en vrai, non, les creuses, faut pas flipper, c'est juste une vieille dame. On ne peut pas, on a vu pire, on a vu pire. Je crois que c'est elle, en plus, la... C'est elle, non, la voisine. Attends. Mademoiselle? Enfin, mademoiselle. Madame? Vieille dame. Ma chère, votre chambre est à droite. Vous êtes la voisine d'en face? Non, ça va, elle a pas... Elle est grande, par contre, elle est grande, ça me fait peur, elle est un peu... Elle est un peu trop... Trop de carrure, tu vois. Ok, 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 bon. Merci, madame. Bon. Ok. Au moins, on a vu le voisin. Je dois placer la boîte sur la coiffeuse. Ici, ok. Alors, voilà notre nouveau chez nous. Qu'est-ce que c'est que ce désordre? On dirait que quelqu'un est parti précipitamment. Je devrais nettoyer un peu cet endroit. Alors effectivement, c'est un peu le bordel. C'est quoi ce délire? Je dois commencer à travailler? Asseyez-vous à la table de travail pour reprendre le travail sur le prochain roman. Ah oui, c'est vrai que je suis écrivain. Go. Horror story. Ah, on écrit des... Ah putain, c'est cool ça. On écrit des histoires d'horreur. Ok. Et j'arrive à écrire sans les mains. Et ça c'est fort les creuses. J'arrive pas à lire, c'est trop petit là par contre. Ouais les objectifs sont derrière ma cam. Mais ça va être une galère de me baisser en fait.
Oh 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 oh, bruit, aïe 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 aïe, pourquoi il y a la... Pourquoi la porte elle s'ouvre là? Stop! Arrête! Pourquoi la porte elle s'ouvre derrière moi là? Sors! Oh putain! C'est quoi ce bordel? Ça fout les jetons! Ah non! Allume-toi, saleté de briquet! Vite! Ah merde, putain, avec le vent, ça s'éteint. Oh là 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 là, oh là là, je sens que ça va faire bader de ouf. Attendez, faut que je me rôde. Oh là là, ok. Ok, donc c'est bien la grand-mère, je crois. On l'a reconnue, hein. Sauf que là, elle avait des yeux blancs. Et on dirait qu'elle était possédée par le diable. Mamie, elle est un peu chelou. J'ai peur, je suis vraiment dedans, là. Mais jamais je reste assis à rien faire. OMG, mon Dieu. Je veux pas y aller, mais c'est horrible. C'était horrible. Moi, je me casse direct de cet appart, je reste pas une minute de plus. Bon. C'est vrai que ça devient un peu craignos, je vous l'avoue. En plus, on voit que dalle, hein. Putain, la portée de la lumière du briquet, elle est de 1 mètre. Bon, il y a mamie dans notre appart. C'est quoi ce bordel encore? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai envie de partir, moi, non? Non, je peux pas. Vérifier le tableau électrique. Alors, c'est ça? Les fusibles sont grillés. Il doit y avoir des fusibles de rechange que je peux utiliser. Je crois que c'est dans le bureau. On avait vu un bureau. Aïe, aïe, aïe. L'écran, je le sens pas du tout. Il y avait un bruit derrière moi, putain. Non, oh la porte s'est ouverte là. L'écran, j'y vais pas, il y a la porte qui vient de s'ouvrir juste là. Juste derrière moi. J'y vais? C'est peut-être là les fusibles, hein. Attendez, j'en sais rien. C'est peut-être un piège aussi. Putain, on voit que dalle. Oh, c'est horrible! Pourquoi on voit rien comme ça? Oh là là non. C'est quoi ça? Il y a une... Il y a... Carte de tarot? Carte de tarot? Et il y a une poupée là. Putain, elle fait peur. Hein. Ok, bon. Calmons-nous les crosses, tout va bien. Calmez-vous. Soufflez, respirez. On fait une petite pause. Petite pause poupée, ok? Et c'est vrai que j'ai très envie de partir de l'appart aussi, là. Elle m'a mis mal, la vieille. Je sais pas pourquoi, je sens un truc sataniste, c'est une supposition. Terrifiante, une petite pause s'impose. Vous le sentez comment, le scénar, les crozes? Moi, je sens quand même, ouais, la sorcière. Une sorcière qui fait des rituels avec une poupée. Un truc bizarre, bref, let's go. Bon, il n'y a pas de fusible ici. On a juste trouvé une carte et une poupée. C'est quoi cette poupée? Elle va nous poursuivre. Je sais pas, Aline. Je n'en sais rien. Peut-être. Oula, il y a un tarot. Ça va partir en choupe à choupe. Très mal. Moi, je fais une crise cardiaque MDR. Moi, je dis rien car je connais le jeu, donc no comment.
Ouais, pour ceux qui connaissent le jeu, ne dites rien, surtout. Hein. Laissez la surprise. Hein. Peut-être que la poupée serait possédée. En tout cas, si elle commence à me suivre, je vous jure, je rage quitte. Hein. Ok. Alors, j'avais repéré des fusibles là. C'était là, je crois. Ouais. Voilà, nickel. Let's go. Maintenant, il faut retourner au... à la boîte. À l'entrée. Je sens le screamer à plein nez, là. Faites gaffe, hein. Mamie. Mamie. Oula, attends, faut que je les mette où? Attends. Merde. Attends, égale 53 x 6. 53. On a une énigme. Alors, on a 6 fusibles. C'est marqué égale 53. Alors, attends. Ah, faut que la somme totale des chiffres doit faire 53, c'est ça? Oh mais c'est dur là les gars. Qu'est-ce que vous me dites dans le chat? 19, 15, 6, 4, 8, 1. Alors 19, 15, 6, 4, 8, 1. Qui a dit ça? Dono. Dono très fort, merci beaucoup. On peut applaudir bien fort Donovan dans le chat. Il est meilleur que nous tous en maths. Ok, on a remis le courant. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et bienvenue, Yuxi Mi. Alors, très bien. On a re de la lumière. Elle est où, la vieille? Oh non, pas encore. Voilà, c'est fait, je vais chercher ma lampe de poche dans la boîte à objets. La boîte à objets? Putain, il y a un de ces orages dehors, c'est violent. La boîte à objets, c'est ça? Non, c'est pas ça. Merde! Elle est où, lampe? On dirait un jeu d'horreur psychologique. Bah, c'est tout ce que j'aime, hein. Pour ceux qui me connaissent vraiment bien, vous savez que mes jeux d'horreur préférés, c'est les jeux d'horreur psychologiques. Je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Et là, effectivement, on s'en rapproche. Attends, la boîte? Récupérer la lampe de poche dans la boîte à objets. Ah, là! Où est ma lampe de poche? Je l'ai laissée ici. Oh non! Oh non! Elle m'a piqué ma lampe! Trouver la lampe de poche manquante. Putain! Elle a piqué ma lampe. J'espère elle l'a pas emmenée là où il y a le chat au rez-de-chaussée. Elle est là. Oh, La poupée. La poupée. Mais c'était évident. C'était évident. Ok, la poupée est vivante, c'est génial. Saleté de Chucky. Putain, non. Bon, j'ai une lampe torche. Ça, c'est cool. Récupérer. Attention, là, ça va bien éclairer, je pense. Quoi? Mais ça éclaire moins bien que le briquet. C'est quoi cette lampe de merde? Bon, non, ça va. En vrai, non, j'abuse, regardez. Non, j'abuse de ouf parce que le briquet... Je peux plus utiliser le briquet. En fait, la lampe torche, on peut viser loin. Genre, tu sais, ça éclaire même... là-bas au fond, donc ça c'est cool. Non, on voit un peu plus loin. Mais on voit moins autour. Ok. Bon, j'ai une lampe torche. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vérifier s'il y a quelqu'un dans l'appartement. Eh, vous me faites chier les gars. Vraiment, vous me faites chier là. Putain, c'est archi beau. Oh. Les cris ont dû venir de l'appartement de la vieille dame. Je dois aller voir. Le jeu est tellement beau, putain. C'est ça qui me fait flipper, moi. C'est que c'est trop réaliste. Ah, je dois y aller, putain.
Oh, attends, est-ce qu'on va aller dans l'appartement de la vieille? Ça serait incroyable. Attendez. Est-ce qu'on... Alors là, ça serait tellement stylé. Attends. Ah, dommage. Attends, on peut toquer? Oh, une vieille dame pourrait-elle cacher un double de ses clés? Ah, sous le tapis. Oh, putain. Oh, c'est ça! Non, on va aller dans l'appart de la vieille. Oh, ça va être glauque. On va voir une vieille courir sur les murs, c'est sûr. Attends, un endroit typique pour cacher une clé, ça doit être la clé de secours de l'appartement de la vieille dame. Oh, oh non! Oh si, ah si. Oh putain. Madame? C'est le voisin? J'ai entendu un cri. Est-ce que tout va bien? Aïe 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 aïe. Oh là là, il est glauque celui-là. Oh, il est glauque cet appart. Oh putain, non, 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 j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. S'il vous plaît. Non. Petite pause. Petite pause mentale, là. Ça craint, les creuses. Là, je me sens en danger. Bon, dites-moi ce que vous pensez du jeu, là. On est à quoi? On est à 30... J'ai entendu un bruit. Vous en pensez quoi du jeu pour l'instant? Sur 10. J'aimerais bien votre avis, là. Pff, quel enfer. Imagine, elle a un blocage du doigt en voulant récupérer la clé. On médite quelques secondes, c'est ça. T'es un guerrier, tu lui offres un granola et tu fonces. J'ai pas de granola. C'est sûr, c'est sataniste. 8, 7 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10, 8,5 sur 10, 9 sur 10. J'ose même pas le regarder en mode plein écran. C'est vrai que pour le coup, y jouer, c'est encore pire. Je vous jure que là, je suis pas très bien. Allez, go. Je peux toujours pas courir, c'est un truc de ouf. Cet endroit semble avoir été abandonné depuis des années. Bah pourquoi la vieille, elle... Pourquoi la vieille, elle passait le balai devant si c'était abandonné? C'est étrange, non? C'est très étrange. 20 sur 10? Ah ouais. Bon, ok. Je crois qu'on a affaire à une entité, hein. Démoniaque. Ouais, c'est totalement abandonné, quoi. C'est totalement abandonné. Ok. On va essayer de passer là-dessous. Sans se faire mal. Un lit. Oh, une carte de tarot. Je prends. Oula, c'est quoi ça? Photo d'appareil photo instantané. Alors, il y a une marque de pouce rouge et on voit un espèce de démon. Regardez, je peux zoomer un peu. On voit une tête avec deux yeux. Ça fait un peu... Elle a la même tête que... Comment, la nonne? La nonne dans Conjuring, là. Elle a les mêmes yeux flippants, putain. Ok, je peux le prendre ou pas? Non, dans tous les cas, j'en veux pas, donc... Allez, go. Valak! Ouais, elle a le même regard que Valak. Saleté de Valak. C'est moi qui ai fait ce bruit, là? Qui c'est qui pleure, là? Ça vient d'où, ce pleur? Ah, là? Attends.
Ah, c'est ça! What? Le tableau, il a pleuré. Attends. Aïe, mets pas ton œil là-dedans, mec! Mais c'est un malade, lui. Hein. Elle est là. Elle est là, elle est sur la chaise. Elle me regarde! Oh, les mains! Ah, elle a des mains, démon! Casse-toi de là! Ah, elle est horrible! Non! Oh putain! Faut que je me casse, les crosses, faut que je me casse, vraiment! Prends le couteau! Bon, alors attends. Ah! Bah, ouais, je vais l'enculer. Mais comme jamais elle s'est fait enculer dans sa vie, je vous le dis. Oh mon dieu. Je peux partir maintenant? C'est bon? Est-ce que je peux partir? Toujours pas. Saleté. Ah, attends. Oh là 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 là, non. Oh là là, il y avait des bougies ici, mais attendez, mais... Ah, faut mettre les bougies, ok. C'est bon. Utiliser les bougies pour éclairer les pièces, ok. Eh bah putain. Elles étaient bien cachées, hein. Ok. Eh bah écoutez, let's go. Deuxième bougie. Pourquoi je peux plus bouger là? Ah! Elle commence à m'emmerder, elle. Vas-y, mets-en un troisième. Mets-en un petit troisième. Ok, on a 4 bougies. Je crois qu'il y en avait 6 dans la boîte. Putain, elle fait peur. Un putain de cauchemar, ce jeu. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar et que je peux pas me réveiller. Ouais, il y avait des numéros sur le piano, mais je peux pas encore l'utiliser, le piano. Je peux rien faire avec. Alors, est-ce qu'il y a une bougie... Ah, là. Hop. Ok, on a allumé toutes les bougies, les crosses. Il y a ça qui s'est mis en route. Ok, si tu veux. Oh la saloperie, putain, elle joue avec nos nerfs. Putain. C'est marrant, il y a une tête de mannequin là. Ah, elle joue avec nous. Oh, le piano. Tu. On y va. Le piano est en marche. Qui est en train de jouer? Réponse A, la vieille. Réponse B. La vieille? Ah non, moi je peux pas, les crosses, je peux pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est elle? Faut retenir les notes. Ah, faut peut-être retenir la chanson. Attendez. Ok, ça part de l'aigu, ça repart vers le grave. Ouais, c'est facile. Elle a un couteau dans le dos, ouais. Comme la robe de mariée. Oh.
La poupée. La poupée est là. Avec une boîte à musique. Une note. Ah ! Ok, faut qu'on joue ça. 2, 4, 6. Les crosses, notez dans le chat, s'il vous plaît. 2, 4, 6, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. Je vous laisse noter ces chiffres dans le chat et je vais interpréter, en tout cas essayer d'interpréter, cette douce mélodie. Je peux toujours pas prendre le couteau, non. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 2, 4, 6, ça va être long, 7, 6, 4, 1, 3, 5, 6, 5, 3, 1. C'est bon ça. Enfin c'est bon, c'est moyen. On dirait que cette page a été arrachée d'un journal intime. Alors, est-ce qu'on peut traduire? Lire. Ah bah voilà. Il y a une chanson que je jouais au piano pour ma fille. Elle l'adorait. Elle l'aimait tellement qu'elle dansait comme une fée. Ma bien-aimée, ma fille bien-aimée, je voudrais pouvoir te rejouer cette chanson juste une dernière fois. Il y a une clé. Clé unique. Je la prends. C'est ça. Ça ouvre ça, non? Non. Ok, on a chopé une clé. Non mais calme-toi, ça va. Pas besoin d'être aussi mauvaise. Des talents cachés de pianiste Toshi. Eh oui, t'as vu ça? Ok, on est à une clé. Il en manque une. La télé s'est allumée, on y va. Ouais, c'est la fille de la vieille qui dansait, ouais. Chérie, c'est The Ring à la télé ? Ah, la clé du tiroir, c'est bon ça. Let's go. Non, 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 pas maintenant les piles. Les piles, pas maintenant. Restez encore un peu en vie, s'il vous plaît. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Ancien appareil photo. Cet appareil photo était utilisé par la vieille dame pour prendre des photos de son enfant bien-aimé. Donc c'est ça, la vieille avait un enfant. C'est le premier objet que la dame a maudit, d'où les marques étranges. Il peut être utilisé pour révéler des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Oh. Je peux la voir, je la vois encore, je l'ai vue, elle était là. Je l'ai imaginée et elle me regardait droit dans les yeux. Ma fille bien-aimée, tu n'as pas changé, tu... Ah, j'ai compris. Tout comme la dernière fois que tu étais avec moi vivante. Ok, donc en gros j'ai compris le scénar. Je pense que la vieille a perdu son enfant. Son enfant est morte. Et pour la essayer de la faire revivre, elle a dû utiliser des rituels bizarres de sorcière peut-être. Et avec l'appareil photo, elle arrivait à la revoir. Voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Appuyez sur E pour quitter. Attends, quoi ? Appuyez sur 2 pour équiper l'appareil photo instantané. Oh putain, alors pas ça les gars. C'est les photos qu'il faut que tu prennes. Faut que je prenne une photo de la... De la porte. Celle-là ? Ok, c'était ça. L'album a changé. Ah, ok. Et comment je sais les autres du coup? Ah voilà.
Ok, le deuxième c'est le lit. Le lit tout au fond à droite, là où il y avait la radio. Ok. Je vais juste réutiliser ma lampe torche. Parce qu'il faut pas déconner. Ah, c'est pas mal ça. Ok. Bon, je vois très bien où faut prendre la photo, les crocs, hein, vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas perdus. À chaque photo, il faut revenir à l'album. Ok. Oh là là! Je t'avais pas vu, toi? Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi le mot de passe, les crocs? Y'a un mot de passe? Je peux pas passer en dessous. Non, je peux pas. Merde! Comment on passe là? Ah, attendez, il y a une note. Chaque fois que je la prends en photo, on dirait qu'elle veut me parler, mais je ne l'entends pas. Elle... Ah, peut-être. Ah bah non, j'allais dire peut-être que je dois le prendre en photo pour passer. Mais il a décidé de partir de lui-même. Très bien. Allez, go. Ok, alors faut que je prenne la photo ici. Pour l'instant, on est bon. Ta ta la ta 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 la ta ti ti ti. À tous les coups, la grand-mère a voulu mettre l'esprit de sa fille dans la poupée. Et ça s'est pas passé comme prévu. Oh, Lyon, c'est pas con ça. Ouais, et elle aurait invoqué une entité démoniaque qui l'aurait possédée, elle, peut-être. Eh, peut-être que la mamie s'est fait posséder, hein. En voulant invoquer sa fille. Ok, en tout cas, on est à 2 sur 4. On va voir la troisième. Donc ça, c'est bon. Troisième photo. What? Attends, je vois pas où c'est ça. Les crocs, on peut pas zoomer? La télé? C'est la télé, ça? C'est peut-être la télé, ouais. Vous avez peut-être raison. C'est peut-être la télé. Vous avez peut-être raison, les crocs. Comme d'hab, hein. Vous avez toujours raison, en plus. Je crois que c'est la télé, ouais. Attention. Waouh. Oh là là, regardez les signes sataniques sur les murs, là. Allez, go. Ah, vous avez raison, c'était la télé, hein. Bien, bien joué. Elle a voulu invoquer sa fille, mais qui dit que c'est la seule entité des environs? Ah oui, non, mais elle a invoqué autre chose, hein, c'est sûr. Mais quoi? Ah, c'est la clé. Ah, on va voir la deuxième clé avec ça, ok. Alors, la dernière photo, c'est... Ah, le portrait de la... Oh là là là. Alors là, je le sens. Je le sens, les crocs. La dernière photo, faut prendre le portrait de la femme. Est-ce que vous le voyez venir? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Si on prend la photo de ce portrait, est-ce qu'elle nous sauterait pas à la gueule? Aïe. Elle va nous faire une valaque. Elle va nous faire une valaque. Gros comme une maison. Attends, c'est sûr. Allez, vous êtes prêts? Jumpscare dans 3, 2, 1. J'étais peut-être pas assez prêt. On recommence. De là, ça doit le faire. Oh putain. Jumpscare dans 3, 2, 1. Pour le coup, on le savait. Pour le coup, on le savait. Ok, très bien. Tout se passe bien. Nous allons avoir la clé, logiquement. Ah ah ! Je prends.
Alors du coup, grande question, que se cache-t-il derrière cette porte? Parce que depuis le début, les creuses, cette porte est bloquée par deux serrures. Qu'est-ce que ça cache? Réponse maintenant. Un miroir. Une salle à manger. Oula. Oh putain. C'est vraiment le musée des horreurs ici. Eh, c'est le musée des horreurs cet endroit. Je dois peut-être prendre des photos encore, non? Ok, on a un miroir. Ah, il y a une bougie là, attends. Ah, il y a une note là-bas. On va aller lire la note. Alors, j'ai trouvé ce vieux gramophone près d'un vieux livre dans le grenier de ma mère. Le vinyle contient une sorte d'instruction sur la façon de parler à un esprit mort. Je dois suivre les instructions très attentivement. Peut-être qu'ainsi je pourrai parler à nouveau à ma fille. Quelle idée à la con. Quelle idée. Oh, une Ouija. Bah, bien sûr, les gars, bien sûr. Ah, bien sûr, la Ouija, on connaît. Hein. Bon. Ok. Jouer le premier vinyle. Comment ça marche ces conneries? Jouer le premier disque vinyle. Il est où le disque? Ah, il est là. C'est le premier vinyle qui contient des instructions sur la façon de parler aux esprits. Aïe 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 aïe. Attention. This is a guide on how to speak with the spirit that has reached the gates of the spirit world. Be aware that you must follow all the instructions very carefully and in the correct order. A mistake can lead to disaster and possibly... Ah, okay. To speak with the spirit, you first need to understand that there is no going back. What is done cannot be undone. Any consequences after you speak to the spirit are on me. Trouver le deuxième disque vinyle. Ok. Alors je peux pas repartir. Donc le deuxième disque doit se trouver ici. Wow. Un peigne. Ce peigne à cheveux doit appartenir à la fille. Ok. Je peux rien faire avec. Là je peux pas ouvrir. Là non plus. Bonsoir messieurs. C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ces bruits? Pourquoi il y a des photos là maintenant? Ah, 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 attendez. B2. B2 et là c'est quoi? E6. Attendez, on a des énigmes. B2, E6. A3, D5. B2, D6, A3. D5. Ah, ok. Waouh, alors attends. Oulala. Attends. Les crosses, s'il vous plaît, dans le chat. B2, E6, A3. Je crois qu'il faut suivre l'alphabet. Donc le A, c'est 3. Le B, c'est 2. Le C, on a eu un C. A3, D5. Ah, C là. Le C c'est un 8. Le C c'est un 8, les creuses. Du coup, ça donne quoi? Le A c'est quoi? 3. Le B, 2. Le C c'est 8. A, B, C, D. Le D c'est 5.
Et le E, c'est 6. C'est ça? Attends, j'ai eu bon ou pas là? Je suis en train d'applaudir. Attends, c'est pas ça? Comment ça, c'est pas ça? A3, B, B2, bah si l'écrou, je l'ai bien fait là. Attends. Faut bien faire dans l'ordre chronologique. Haut de la page. Attends. Le 3, c'est A. Le D, c'est 5. Le C, c'est 8. Le E, c'est 6. Ben c'est ça, non? Lily, est-ce que je suis proche de la vérité? Alors attends, on va revoir les. Le C, c'est un 8. B2. E6. T'es un peu loin? Hein, je suis un peu loin? A3, D5. C'est pas ça, c'est quoi du coup? Si c'est pas ça, c'est quoi? Indice. Ouais, je veux bien un indice. Si la lampe torche, je l'ai, elle est là. Pouf! Ah mais oui, c'est vrai qu'avec la lampe torche, on peut les voir. Putain, mais quel con. Regardez, C8, B2, E6. Porte. Indice, porte. Indice, porte. Oh putain. Mais d'où c'était fermé tout à l'heure? Sous de ma gueule. Oh là 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 là! Mais la porte était fermée avant que je l'ouvre. CDBEA. Ok, il faut suivre cet enchaînement. Les creuses, retenez, hein. CDBEA. Vous êtes prêts? Putain, mais la porte était fermée, je comprends plus rien, moi. Alors attends. Ok. Donc CB DEA, ça fait quoi du coup? 8, 5, 3, 6, 3. Attends, CB. Mais Cross, vous avez noté dans le chat? Vous pouvez me le noter ou pas? Je suis pas retenu. CBD. CB. CD. Non, c'est pas CB, c'est CD. Non, c'est un D, les Cross. CD BEA. CD BEA. Ok? Ce qui nous donne. Je vais remonter un peu dans le chat. Hop. CBDEA. Donc le C, c'est un 8. D, c'est un 5. C'est un 2. E, c'est un 6. Et A, c'est un 3. Confirmé. C'est bon, on l'a fait. Et je l'ai fait sans regarder le chat pour une fois. Vous pouvez être fier de moi. Ok, deuxième vinyle, je prends. Allez, on. Ok, on va remettre ça dedans. Il est spécial le jeu quand même, hein. Je dois faire une offrande. Ah bah le peigne. Hop. On va le mettre là. Voilà. C'est bon. Une photo de la personne à qui vous parlez. J'ai une photo de la fille que j'ai trouvée dans l'album précédent. Ajoutez la photo de la fille dans le bol à offrande. Ok. C'est bon. Bah attends, on va l'invoquer là? Pourquoi on l'invoque?
Mais je veux pas l'invoquer, moi. Mais gros, c'est quoi ces conneries? À quel moment j'ai envie de l'invoquer, elle, en fait? Maintenant parle. Nique ta mère! Aïe 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 aïe. Pourquoi la lampe elle? Y a-t-il quelqu'un ici avec moi en ce moment? Yes. On voit à droite, hein, les crozes, sur le carnet. Êtes-vous attaché à un objet? La poupée. La poupée, la poupée, la poupée. Il va dire yes, c'est sûr. Pas de réponse. Ah merde. Si oui, à quel objet es-tu attaché? Doll. Elle va mettre D-O-L-L. Ah bah oui. C'est la poupée! C'est la poupée! Poupée! Ok, il faut qu'on brûle la poupée. Que cherchez-vous? F. I. Non, L. F, L. E. Fle. Fles. Flèche. Ça veut rien dire. Ah, chair. Que cherchez-vous? Chair. Elle veut de la chair. Il veut posséder. Elle veut posséder un humain. Êtes-vous la fille? Non, ce sera pas la fille. C'est pas la fille. Regardez. Il va répondre non. Pas de réponse, c'est pas la fille. C'est un démon. C'est un démon dans la poupée. Réponds-moi. Êtes-vous la fille? Goodbye. Eh ben c'est bien, on en apprend plus. On en apprend plus. Elle m'a dit qu'elle voulait revivre. Elle veut retrouver son corps, un vrai corps avec de la chair. Elle ne peut que me regarder avec ses yeux de bois, sans émotion. Je ferai tout pour ma fille, n'importe quoi. Aïe aïe aïe. Donc la mère savait que c'était dans la poupée. Enfin, qu'elle était la poupée. Aïe aïe aïe, c'est quoi ça encore? Putain, ce jeu ne finit jamais, c'est pas possible. Bonsoir, ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? C'est une bonne idée de refaire la tapisserie, ouais. Continue comme ça. Une clé. Avec cette clé, je peux ouvrir le sous-sol. Ah, le sous-sol. Le sous-sol de... du bâtiment. On va enfin pouvoir sortir de là, les crozes. Ah, c'est bon. Lily, pour ceux qui ont déjà vu le jeu, il me reste combien de temps de jeu, s'il vous plaît? Est-ce que je suis à la fin ou pas du tout? Cordialement, la direction. Attends, il y a beaucoup de mannequins, là. C'est quoi, ce bordel? Bon, il faut que j'aille au sous-sol. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Ouais, dans tous les cas, on finit le jeu ce soir, les crozins, je vous le dis. Ok, troisième floor. C'est vrai que quand on est arrivé dans le bâtiment,
le sous-sol était cadenassé. Il y avait un cadenas. Et on savait pas trop. Arrête, putain, de bugger comme ça. Il y avait un cadenas en bas. Du coup, on va enfin savoir ce qui se cache dans le sous-sol. Ah ! Saleté, là ! Putain ! D'ailleurs, je profite pour dire que ce jeu a 90% d'avis positifs sur Steam, ce qui est énorme. Il est très bien noté. Oh putain, ils ont barricadé la... Les gros, ils ont barricadé la sortie du bâtiment. Regardez, je peux plus sortir. What? Ok, on y est. Alors, on va utiliser la clé. Oh là là, mais quel enfer! J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Il y a une traînée de sang. Qu'est-ce que c'est que ce sous-sol des enfers? Wow! C'est un humain, ça? Attends. Merde, le briquet. What? C'est un humain, ça? Attends. Pourquoi il y a un humain déchiqueté, là? Oui, c'était là qu'il y avait des ongles qui grattaient derrière la porte, exactement. J'avais oublié ce détail. Rabbit Alice, oui. Oh là 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 là. Attends, ils ont emmuré cet endroit. Attends. S'ils ont emmuré ce passage-là, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il y a beaucoup de sang. Attends. Mains, deux mains, trois mains, quatre mains. Oh putain, Blair Witch, c'est Blair Witch. Ils nous ont eu. C'est Blair Witch 3. Garde un parpaing, ça peut servir. J'aurais dû. C'est le dernier locataire, je pense, Toshi. Il y a encore du sang. Aïe 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 aïe. Oh là là, gauche ou droite, les crozes. Merde. C'est horrible. C'est horrible. Quelle saleté. Bah, je vais à droite, moi, c'est mort. Hein. Va te faire enculer. Elle est folle, elle. Je la suis pas. Hein. Et c'est mort. Attends, je reviens en arrière, je crois. Non, j'aurais peut-être dû la suivre. Putain, mais quel jeu de ouf, en vrai. Bon, on va la suivre, hein, let's go. Ah bah, très bien. Il fait trop peur, le jeu, ça me rappelle Pity. Ah, Pity, oui, ça date. Hein. Ah, une clé. I take the key. Ah, je le voyais venir, celui-là. Je le voyais venir. Tu ne me fais plus peur, femme. Faut que j'aille là, je crois. Ouais. Et là, on fait le jeu dans le noir. Et là, on rajoute du suspense. Et là, on rajoute de la terreur. Non, on fait le jeu... Avec l'appareil photo, comme ça. Oh oui! Oh oui, viens, on se rajoute un défi, les crozes. Oh là, non, là, j'aime me faire souffrir. Hein. Oh putain, là, j'aime la souffrance, là. Ah, le grand malade.
Hey, pour ceux qui sont en plein écran sur leur télé ou leur PC là, ça doit être un enfer. Hein. Là, vous devez me détester actuellement. Aïe 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 aïe. Je le vis bien. Le briquet. Encore des mains. Oh là, il y a un pleur là. C'est quoi ça? Mais quoi? Cette chaîne est très inconfortable, mais je ne peux pas l'enlever. Elle porte un symbole étrange ainsi qu'un chiffre. Peut-être le chiffre indique-t-il le nombre actuel de ses victimes. Je ne sais pas ce que le symbole signifie. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, là je me demande pourquoi il y a des corps humains ici. Quel est le rapport? Ah, peut-être la chair humaine. C'est ça, peut-être qu'elle essaie de posséder des corps. Salut toi. Oh putain, il y a encore une énigme. Arrête. Oh putain. Les grosses, il y a encore une énigme. Oh non. J'ai pas la foi. Petit indice, regarde à la cheville du pendu. On va aller regarder ça. La cheville du pendu. Alors. Ah. Effectivement, nous avons un X9. Il y a trois croix avec un 9. Ok. Il n'y a pas autre chose, non? Premier symbole. Bienvenue Nono. Alors attendez. X9, qu'est-ce que je dois faire avec... Ah c'est ça non? Attends. X9, ah c'est ça. Ok, ça je dois le mettre. Ah, faut trouver des symboles, ok. Ok, faut trouver d'autres symboles. Alors attends. Ah là, putain, je peux passer là. Oh aïe aïe. Oh aïe aïe. Ah lui, il a une chaîne aussi. Aïe 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 aïe, on va regarder sa chaîne. Vite, 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 vite. C'est quoi? Je vois rien. Assis là. C'est quoi ça? Putain, les grosses LP. Attends. Non, un rond avec une barre et c'est 7. Pourquoi il y a des chiffres à côté? 7, 9. Il y a un rond barré avec un 7. Salut Nono. Le rond barré, ouais, le rond barré. Mais pourquoi le... Ah putain, je peux aller là? Attends. Pourquoi il y a des chiffres à côté des signes? Le rond barré, c'est celui-là, hein. Attends. Ouais, c'est ça. Le rond barré, il est là. Pourquoi il marche pas? Ah, il est déjà activé, ok. Go. Ah, c'est ouvert, c'est bon. Ok, j'ai réussi. J'ai réussi l'énigme. On y va. Est-ce qu'il y a de la physique sur cette chaîne? Moi, je dis que oui. Oh, ils ont fait l'effort, hein. Bien joué. C'est pas dans tous les horror games qu'on voit ça, hein, les creuses. Ça fait plaisir. Il y a des bruits de pas. Il y a des bruits de pas. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Quelqu'un?
Alors celui-là, je crois que c'était le pire jumpscare du jeu. Oh. Parce que t'avais pas le choix que d'utiliser ton appareil photo, tu sais pas ce que c'était, t'entendais des bruits bizarres. Ah putain, 10 sur 10 le jumpscare là. Ah l'enfoiré putain. La vieille dame est folle, sa fille est partie, partie pour toujours. La poupée joue avec son esprit, elle lui retourne le cerveau. Cette chose n'est pas sa fille, c'est quelque chose de bien plus sombre. Je dois la détruire, peut-être qu'ainsi je pourrai m'échapper de cet endroit. Donc on est d'accord les crocs, c'était pas sa fille, c'était un démon. Cordialement. La direction. Est-ce que je peux passer, non? Aïe aïe aïe, il m'a fait peur ce jumpscare là. Je dois aller où? He tried to hurt her. Il a essayé de lui faire mal. Attendez, je dois aller où? Je dois revenir en arrière ou pas là? Salut! Salut copain! Crise cardiaque niveau 100, c'est horrible la crise cardiaque. Aïe aïe aïe, il était dur celui-là. Il était très violent. Ah, de l'essence. Oh! Eh, ça me rappelle un jeu où on devait brûler une poupée à la fin, un jeu russe là. Vous vous souvenez pas? Je peux pas le prendre le bidon? Ok, à mon avis, putain, si c'est comme le jeu russe, c'est énorme. C'est à peu près la même histoire. Je sais plus comment il s'appelle ce jeu, un jeu récent en plus. Où à la fin il fallait brûler une poupée qui était aussi Non, 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 ça fonctionne plus, ma belle. Witch Doll est très populaire depuis sa sortie, mais il est très bon ce jeu. Hein. Franchement, pas mal. Hein. En tout cas, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas joué un jeu d'horreur aussi flippant. Ah ouais, elle est là la poupée. La poupée est là, les crocs. C'est donc toi, le démon. C'est toi qui me casse les couilles depuis le début. Hein? Saleté. Tu vas voir ce qui va t'arriver, je vais te brûler, moi. Je me suis rendu sur la tombe de ma fille tous les jours. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle soit loin de moi, loin de ma maison. Je devais creuser sa tombe et ramener ses os ici, dans sa maison bien-aimée. Cette poupée n'est pas sa fille, c'est un démon. Je dois la bannir avant qu'il ne soit trop tard. Faut que j'aille chercher le... Faut que j'aille chercher le bidon, non? Trouver un bidon d'essence, ouais, c'est ça. Et ben voilà, les gars. Alors par contre, c'est énormément inspiré... du film... du jeu russe. C'est la même fin, c'est un truc de ouf. Vous avez essayé de blesser ma fille. Ah, c'est la vieille qui parle. Attends, attends, attends. Oh là là. Ah merde, on s'est fait avoir. Les crocs, on s'est fait avoir. Elle va nous posséder. Bah oui, il cherche de la chair. C'est nous qui va posséder. Ok. Ça va se passer comme ça. On va se faire posséder le cul. Le prochain gigot. Ah, quelques jours plus tard. Ok, intéressant. Oh non, un nouveau locataire. C'est pas vrai. Non, tu déconnes. Oh, ils ont caché sa voiture dans l'herbe. À l'autre. Attends, attends, attends. Mais tu déconnes. Oh. Les crocs, ils ont remis des planches là. Oh non. En fait, c'est ça. Ils cherchent des corps. Et à chaque fois, c'est un nouveau locataire. Et en fait, les corps qu'on voyait dans la cave mutilés, c'était les anciens locataires de l'appart. Ça y est, les crocs. J'ai capté. Et on va un peu plus vite là, c'est marrant. Ah, bah là, il n'y a pas de lettre par contre. Ok. Ah, c'est ça, c'est tous les autres locataires qui avaient dans la cave. Ah.
Mais alors pourquoi le démon arrive pas à prendre possession de la chair à chaque fois? Pourquoi il lui faut toujours des nouvelles victimes? S'il veut de la chair, il prend le corps, il va dedans et c'est bon quoi. Non? On va essayer d'aller au cinquième. Ah, les corps ne tiennent pas. Ouais, peut-être que les corps pourris soutiennent pas, ouais. Elle ne trouve pas de corps compatible pour l'âme de la fille. C'est pas mal, hein? Y'a pas de grand-mère? Grand-mère! Est-ce que c'est là, du coup? Ouais. Oh, la poupée. Missing. Oh, y a plein de toiles d'araignée. Ouais, la poupée est toujours pas détruite. Donc le mal est toujours là. Et je crois que c'est fini. C'est fini les creuses. Créé par Marios Costantino. Unreal Engine. Ah bah c'est pour ça que c'était beau, tu m'étonnes. Bon bah voilà. Est-ce que vous avez kiffé les creuses? Ça vous a plu ou pas?